Bonjour. Vous voulez apprendre ou réviser des mots familiers en français et aussi pratiquer votre compréhension orale avec des francophones natifs? Vous êtes au bon endroit. Grâce à cette vidéo, vous allez progresser vers un français plus naturel. Il s'agit ici de deux personnes qui parlent dans un français familier très courant. Après le dialogue, je vous apporte toutes les explications nécessaires. Vous allez mieux comprendre les contractions de mots et les prononciations bizarres du français parlé. Quel que soit votre niveau en français, il est très important de connaître et reconnaître les mots familiers les plus utilisés, mais aussi les prononciations particulières du français oral. C'est ce que je vous propose. Cette vidéo s'inscrit dans une série que j'ai nommée « Le français comme on le parle vraiment ». En fin de vidéo, vous trouverez d'autres liens très utiles pour développer votre français familier. Commençons tout de suite. Voici les personnages. Il s'agit de Léa et Ali. C'est un jeune couple, sans enfants. Ils travaillent tous les deux et vivent en ville. Dans cette vidéo, ils parlent de la soirée à venir. La scène se passe dans le salon de leur appartement. Le dialogue vous propose de nouveaux mots familiers ainsi que quelques expressions. Par exemple, lever le pied ou manger comme quatre. Vous savez ce que ça signifie? Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, vous allez le découvrir très vite. Je vous précise juste que cette vidéo n'a pas de sous-titres et que le dialogue est assez rapide, c'est-à-dire que les personnes parlent à la vitesse habituelle des francophones natifs entre eux. Donc je vous conseille donc d'écouter le dialogue au moins deux fois et de faire des pauses si nécessaire. Ensuite, vous pourrez découvrir les explications sur les mots et les expressions. Vous êtes prêts? On commence? Je vous retrouve tout de suite après pour les explications. Dis-moi, ça te dirait de sortir boire un verre ce soir? Ça dépend, t'as quoi en tête? Je suis un peu crevée. En fait, j'avais bien envie de buller ce soir. Oh, c'est dommage. Il paraît qu'il y a un bistrot sympa qui vient d'ouvrir. Ah ouais, où ça? Dans le quartier de la gare. Oh non, ça craint là-bas, on peut jamais se garer. On tourne pendant des plombes pour choper une place, c'est chiant. Ok, alors j'ai un autre plan à te proposer. Tu fais une drôle de tête, qu'est-ce que tu mijotes? Un pote m'a parlé d'un cuistot qui assure. Fait des plats déments, à ce qu'il paraît. Sérieux? Tu vas aller au resto ce soir? On n'a pas dit qu'on levait le pied sur les restos. Ouais, je sais, mais j'ai la dalle en fait. J'ai pas eu le temps de bouffer ce midi et le frigo est vide. Ok, mais moi je vais juste grignoter un petit truc, hein. J'ai pas faim. J'ai mangé comme quatre aujourd'hui. Ça marche. Et au fait, si on proposait à Pierre et Zoé, ça leur dirait peut-être de venir avec nous? Bon plan. Envoie-leur un texto et dis-leur qu'on passe les prendre. Qu'ils se magnent. On déboule dans 10 minutes, je suis affamé. Ok, c'est bon. Ils sont emballés. Ils ont envie de se changer les idées ce soir. Je crois que Pierre galère à fond au boulot. Tu m'étonnes, son boss est cinglé, il vire tout le monde. Et s'il te plaît, vous picolez pas ce soir, ok? Tu peux pas faire la grasse mat demain, je te rappelle. T'inquiète. Ouais, je vous connais tous les deux, quand vous vous lâchez. Voilà, le dialogue est terminé. Alors, comment ça s'est passé? Vous l'avez bien compris? C'était assez rapide, hein? Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à l'écouter deux fois avant d'écouter ensuite les explications. Hein, tous les efforts que vous faites pour écouter et réécouter quelque chose en français est vraiment très utile. Hein. Ce n'est pas du temps perdu, au contraire, vos oreilles vont s'habituer, vont de mieux en mieux percevoir les mots, donc c'est utile d'écouter deux fois et même trois fois si vous êtes courageux, avant d'écouter ensuite les explications. D'accord? Mais bon, vous êtes prêts maintenant pour... Allons-y. Donc on commence par Ali qui dit « Dis !» Ça te dirait de sortir boire un verre ce soir? Dis. Donc, en fait, on l'utilise très souvent en début de phrase. Ce serait comme dis-moi ou dis donc. Dis donc. Donc, on commence beaucoup les phrases comme ça pour et au fait. Hein, c'est des tout petits mots pour lancer, en fait, la conversation avec quelqu'un. Ça te dirait, en fait, donc ça te dit, ça te dirait. Donc, en fait, c'est une manière de faire une proposition. On peut traduire par « tu aimerais »,« tu serais intéressé ». D'accord ? Donc, quand on utilise « ça te dirait », c'est du conditionnel. Donc, la personne est un petit peu moins sûre, peut-être, de la réponse. Hein. « Ça te dit », »,« ça te dirait ». ».« Ça te dirait », peut-être. On sent peut-être un peu plus d'hésitation. De sortir boire un verre ce soir,
Donc, boire un verre, c'est en fait boire un coup, prendre une boisson. Hein, il y a l'idée d'aller boire quelque chose dans un lieu public, hein, un bar, un café, etc. Ou on dit aussi aller boire un verre chez quelqu'un, bien sûr, hein, boire quelque chose. Léa répond, ça dépend, t'as quoi en tête ? T'as quoi en tête ? C'est-à-dire, tu as quoi dans ta tête ? Donc, tu penses à quoi ? À quoi tu penses ? Je suis un peu crevée. Donc, crevée, ça veut dire épuisée. Donc, si on dit je suis un peu crevée, hein, donc là, on est plutôt dans l'idée d'être fatiguée seulement. Donc, vous avez vu que donc, j'ai écrit je suis dans la version en noir, mais en fait, ça ne s'écrit pas comme ça. Hein. Donc, vous allez voir tout au long du dialogue de nombreuses contractions qui sont en fait des transcriptions de l'oral, de ce que vous avez entendu, qui est au plus proche de ce que vous avez entendu, mais ce n'est pas la forme correcte pour l'écrire. Hein. Donc, la forme correcte, c'est « je suis ». D'accord ? En fait, hein, j'avais bien envie de buller ce soir. Buller, c'est ne rien faire. Hein, quand on est fatigué, on a envie de buller. Ali, oh, c'est dommage. Il paraît qu'il y a un bistrot sympa qui vient d'ouvrir. Donc, il paraît, hein, là encore, hein, ce n'est pas vraiment un Y hein, qu'on devrait écrire ici, c'est « il paraît ». D'accord ? Il paraît. Il paraît qu'il veut dire, en fait, « on m'a dit ». Hein, quelqu'un m'a dit que il y a un bistrot sympa. Donc il y a, pareil, hein, ça ne s'écrit pas comme ça, c'est il y a, il y a. Mais en fait, souvent, quand on prononce, on dit il y a. Il y a un bistrot sympa qui vient d'ouvrir. Donc il y a un café sympathique. Donc un bistrot est un café, un bar. Et en fait, sympa, donc veut dire sympathique, hein, on l'utilise pas seulement pour quelque chose ou quelqu'un de sympathique. Hein. Sympathique, on parle souvent d'une personne qui est sympathique. Dans le cas d'un lieu, par exemple, si on dit qu'un lieu est sympa, ça veut dire que c'est un lieu agréable, quelque chose qu'on aime bien, d'accord ? Qui vient d'ouvrir. Léa, ah ouais ? Où ça ? Ah oui, hein, donc là, très souvent, hein, la prononciation de « oui hein, », vous entendez « ouais ». En langage familier hein, seulement. Ou ça. Alors, le ça, en fait, est assez souvent placé dans le langage familier après un petit pronom interrogatif. Ou ça. Qui ça. Pourquoi ça. En fait, qui veut simplement dire c'est. En fait, c'est où. Ou ça, c'est où. Donc, ça, c'est vraiment du langage oral. Hein. Ou ça, c'est où. Voilà. Donc, en fait, c'est pour demander une précision sur quelque chose. Et donc, il répond dans le quartier de la gare. Léa, oh non, ça craint là-bas, on ne peut jamais se garer. Donc, ça craint, alors, peut avoir plusieurs significations. Hein, ici, ça veut dire c'est nul ou ça pose problème, disons. Ça craint peut aussi renvoyer à l'idée d'un problème de sécurité. Hein. Oh là, ce quartier, ça craint. Hein, ça peut vouloir dire, en fait, c'est un quartier qui n'est pas en sécurité, qui est un quartier un peu dangereux. D'accord ? Ça craint, ou on pourrait dire ça par exemple, pour dire « Oh là là, c'est pas une bonne idée, il y a des risques. Hein? Tu veux faire ça, ça craint. » On va dire « Oh là, c'est dangereux. » D'accord ? Ou alors, ça craint dans le sens « Ah, c'est pas une bonne idée, c'est pas bien, etc. » On peut jamais se garer. On ne peut jamais se garer. Hein? Donc là, encore une fois, je l'ai écrit tel qu'on l'a prononcé. Mais il faut bien penser, dans la forme écrite, à écrire le « ne » de la négation. On ne peut jamais. D'accord ? On oublie beaucoup à l'oral. On tourne pendant des plombes pour choper une place. Donc, tourner, hein, quand on est en voiture, c'est l'idée en fait qu'on cherche une place, on cherche un stationnement et on ne le trouve pas. Donc, on va rouler dans les rues, etc. à chercher. D'accord ? On tourne. Pendant des plombes, ça veut dire pendant des heures. D'accord ? Une plombe, c'est une heure. Ah, j'ai travaillé pendant des plombes ou je t'ai attendu pendant des plombes. Qu'est-ce que tu as fait ? Donc, il y a l'idée quand même que c'est long. Hein? C'est des heures qui sont longues. On ne parle pas de plombes pour des heures agréables. D'accord ? Choper une place. Alors, choper, le mot choper veut dire en fait attraper. Hein? Donc, on l'utilise par exemple pour chope le ballon, attrape le ballon. On l'utilise aussi dans le sens choper une maladie. Hein, j'ai chopé la grippe, j'ai attrapé la grippe. Mais on l'utilise aussi dans ce cas-là, choper une place, qui veut dire en fait trouver une place. Hein. Donc là, la personne cherche et ouf, une place apparaît vite. Il faut vite, vite, vite se garer. Donc on va utiliser choper. Hein. Il y a l'idée de se dépêcher pour stationner.
choper une place. Hein, quand il, par exemple, si vous voulez aller au concert hein, de votre star préférée et qu'il n'y reste pas beaucoup de places hein, disponibles, vous allez dire « Oh là là, il faut que je me dépêche pour choper une place, hein, pour arriver à trouver une place. » C'est chiant. Alors, c'est chiant, très très utilisé dans le langage familier. Ça veut dire en fait « c'est pénible ». C'est pénible. On dit aussi d'une personne qui elle, est chiante, donc chiant masculin, chiante au féminin. C'est quelqu'un qui est pénible, mais qui est aussi ennuyeux. Quelqu'un d'ennuyeux, on dirait boring en anglais. Non, c'est chiant. Ok, alors, j'ai un autre plan à te proposer. Bon, ok, évidemment, hein, on l'utilise beaucoup. J'ai un autre plan à te proposer. Donc, un plan, ça peut être dans ce cas-là une proposition à te faire. Mais de manière générale, le mot plan, dans le langage familier, signifie une idée. Avoir une idée, avoir un projet, hein, quelque chose que l'on veut faire. J'ai un plan. Hein, j'ai un plan pour la soirée, c'est-à-dire j'ai une idée, j'ai un projet. Léa, tu fais une drôle de tête. En fait, faire une drôle de tête, c'est en fait avoir l'air bizarre. Hein, le visage exprime quelque chose d'étrange. Peut-être que la personne n'est pas contente, elle est triste, elle est malade, on ne sait pas. Elle fait une drôle de tête. Qu'est-ce que tu mijotes dans cette phrase, c'est qu'est-ce que tu prépares? Donc le verbe mijoter, dans le sens littéral courant, signifie en fait quand vous cuisinez et que votre repas va cuire très très longtemps à feu doux. Hein, on fait mijoter. Par exemple, si on prend un plat français, le bœuf bourguignon, hein, c'est un plat qui mijote, hein, qui va cuire très longtemps à feu doux. Donc, dans le langage familier, quand on dit mijoter quelque chose, ça veut dire en fait on prépare quelque chose. Et il y a l'idée en fait que c'est peut-être quelque chose de pas très très bien. Hein. On dirait aussi, comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente, qu'est-ce que tu bidouilles? Hein, qu'est-ce que tu bidouilles? C'est en fait, qu'est-ce que tu prépares de bizarre? Qu'est-ce que tu mijotes? Ali répond, un pote m'a parlé d'un cuistot qui assure. Donc un pote, c'est un copain. Un copain étant un ami, pas vraiment très très proche. Hein. Un cuistot, c'est un cuisinier. Et assurer, c'est être très bon dans ce qu'on fait, ce que l'on fait. Hein. Donc un cuistot qui assure, c'est un cuisinier qui est très bon en cuisine. Hein, si vous dites « j'assure en français », ça veut dire « je suis très bon en français ». Il fait des plats déments à ce qui paraît. Donc des plats déments, donc déments ici n'a pas le sens d'être la démence au sens psychologique, psychiatrique. Hein. Ça veut dire que c'est très très bien, vraiment excellent, prodigieux, épatant, etc. Hein, c'est dément. Donc on exprime beaucoup d'enthousiasme. À ce qui paraît, hein, c'est la forme familière pour dire « paraît-il hein, ». Il paraît. Comme « il paraît qu'il fait des plats excellents ». À ce qui paraît. C'est vraiment du langage oral, hein, familier. Sérieux? Tu veux aller au resto ce soir? Donc sérieux, avec l'exclamation ou l'interrogation, en fait, c'est « sérieusement ?»« Vraiment ?» hein, on demande à la personne si elle parle sérieusement. « Tu veux aller au resto ce soir ?» Donc « resto », c'est « restaurant ». On n'a pas dit qu'on levait le pied sur les restos. Donc, lever le pied, c'est ralentir, c'est diminuer une activité. Donc, dans ce cas-là, lever le pied sur les restos, ça veut dire aller moins souvent au restaurant. Ok ? Ouais, je sais, mais j'ai la dalle en fait. Donc, oui, je sais, mais j'ai faim en fait. Hein ? Avoir la dalle, c'est avoir faim. Attention, c'est pas comme ce que je vous expliquais dans une vidéo précédente, que dalle. Que dalle qui veut dire rien. Hein, ici, c'est la dalle. Hein, c'est la faim. J'ai la dalle. J'ai pas eu le temps de bouffer ce midi et le frigo est vide. Donc, je n'ai pas eu le temps. Donc là aussi, il y a des contractions et, qui sont uniquement à l'oral. Hein. Je n'ai pas eu le temps de bouffer ce midi. Bouffer, en fait, c'est manger. Mais attention, hein, c'est plutôt utilisé dans un sens péjoratif, c'est-à-dire un sens un petit peu négatif. Hein. Par exemple, si vous êtes invité à manger chez quelqu'un, vous n'allez pas le dire « j'ai bien bouffé ». Non, ce serait assez mal perçu. Hein. Donc, on va plutôt dire « bouffer » pour quelque chose qui n'est pas forcément très bon ou alors on a mangé beaucoup. C'est pas très valorisant, ce mot. Hein, donc, à utiliser avec précaution. Et le frigo est vide. Le frigo est le réfrigérateur. Hein. Donc, frigo, c'est là où on conserve les produits au frais hein, dans la cuisine.
Un frigo vient du mot, enfin de la marque frigidaire qui a été contractée et aujourd'hui, pratiquement tous les Français vont vous dire frigo au lieu de réfrigérateur. Léa, ok, mais moi je vais juste grignoter un petit truc. Grignoter, en fait, c'est manger un petit peu, mais c'est pas manger un repas, hein. Par exemple, si je dis que j'ai beaucoup grignoté aujourd'hui, ça veut dire j'ai mangé un petit peu de chocolat, un petit peu de biscuits, quelques chips, des toutes petites choses qui sont pas vraiment des repas. D'accord? Ensuite, j'ai pas faim. Donc, encore une fois, la négation a sauté à l'oral, mais c'est je n'ai pas faim. J'ai mangé comme quatre, hein. Donc manger comme quatre, ça veut dire manger comme quatre personnes, comme si j'étais quatre personnes. Donc j'ai beaucoup mangé, beaucoup, beaucoup. D'accord? Et ça marche, c'est d'accord. Je l'utilise énormément. Par exemple, si vous convenez d'un rendez-vous avec quelqu'un, ok, ça marche, c'est d'accord pour moi, on fait comme ça. Et au fait, hein, si vous proposez à Pierre et Zoé, donc là c'est une proposition, hein, si on proposait, hein, si plus imparfait, hein, c'est toujours une proposition. Donc si on allait au cinéma, c'est une proposition. Ça leur dirait peut-être de venir avec nous. Donc ça leur dirait, hein, comme dans la première partie, ça te dit, donc là c'est ça leur dirait, ça veut dire ça les intéresserait peut-être. Hein. Donc là c'est la même forme, hein, ça vous dit, ça te dit, ça vous dirait, ça leur dirait, là on parle de deux personnes. D'accord? Donc là, on se demande s'il serait intéressé. Bon plan, donc là, c'est une bonne idée. Hein, bon plan, bonne idée. Envoie-leur un texto. Donc un texto, hein, c'est un message texte, SMS. Allez, et dis-leur qu'on passe les prendre. Donc passer prendre quelqu'un, ça veut dire aller chercher cette personne chez elle. Hein, donc aller chercher à son domicile. Qu'il se manie. Hein. Se manier, c'est se dépêcher en langage familier. Hein, se dépêcher. Il faut que je me manie, je suis en retard. On déboule dans 10 minutes, je suis affamée. Donc débouler, qui a aussi, hein, comme synonyme familier débarquer, ça veut dire arriver quelque part. Il y a l'idée d'arriver dans la précipitation. Hein, arriver vite. D'accord? C'est une certaine forme d'arriver. Et je suis affamée, j'ai très faim. Donc là, on n'est pas vraiment dans le langage familier, hein, être affamé. 2 minutes plus tard, Léa, ok, c'est bon, ils sont emballés. Donc, c'est bon, ils sont d'accord. Ils sont emballés, c'est ils sont très contents. Hein. Être emballé, c'est vraiment avoir beaucoup d'enthousiasme pour quelque chose. Ah, demain, je vais au concert, je suis emballée. D'accord? Ou on m'a invité, je suis emballée. Ils ont envie de se changer les idées ce soir. Donc, se changer les idées, c'est penser à quelque chose. Hein. Et en général, parce qu'on a des idées un peu négatives, on a des problèmes, on aimerait avoir des idées plus légères, plus agréables. On dit, il faut que je me change les idées. Je crois que Pierre galère à fond au boulot. Donc, je crois que Pierre a de gros problèmes à son travail. Donc, galérer, hein, c'est avoir des problèmes. Je galère avec cet exercice de grammaire. Donc j'ai des problèmes avec ça, je n'y arrive pas. À fond, c'est beaucoup, hein, c'est amplifié, donc galérer à fond, c'est avoir de gros problèmes. Et le boulot, c'est le travail. Tu m'étonnes, son boss est cinglé et il vire tout le monde. Donc tu m'étonnes, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup quand on est d'accord avec ce qu'une personne vient de dire, hein. Et on veut même presque un petit peu ajouter encore plus. Hein. C'est sûr, tu m'étonnes, évidemment, je suis d'accord, oui, vraiment. Enfin voilà, c'est pour montrer qu'on est vraiment d'accord avec ça. Son boss est cinglé, donc son boss, ça vient de l'anglais, hein, son patron, son chef, est cinglé. Donc cinglé peut avoir un sens aussi psychologique, psychiatrique, il est fou, hein, cinglé, fou. Mais ces deux mots, en fait, on va les utiliser pour quelqu'un qui n'a pas vraiment de problème psychologique, psychiatrique, mais plutôt pour quelqu'un qui est excessif, hein, qui fait des choses un peu insensées, exagérées, pas très adaptées. Il vire tout le monde, donc virer, c'est renvoyer, licencier quelqu'un. Donc ça veut dire interrompre, arrêter son contrat de travail. Donc le chef arrête le contrat de travail, il vire. Être viré, c'est être renvoyé. Et s'il te plaît, vous picolez pas de poire, ok? Donc s'il te plaît, c'est vraiment la prononciation très très fréquente à l'oral de s'il te plaît, hein, s'il te plaît, allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous ne picolez pas ce soir, donc vous ne buvez pas d'alcool. Hein. Picoler, c'est boire de l'alcool.
Tu peux pas faire la grasse mat demain, je te rappelle. Donc faire la grasse mat, c'est dormir tard. Donc en fait, grasse mat, c'est en fait la grasse matinée. Donc c'est une matinée longue que l'on passe au lit. Donc dormir tard, la grasse mat. T'inquiète, hein. Donc t'inquiète, très fréquent, vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente, ne t'inquiète pas. Donc c'est vraiment l'idée de ne faut pas s'inquiéter, mais c'est aussi, parfois on dit t'inquiète pour t'occupe pas de ça, c'est pas ton problème. Hein. Oublie ça. Ouais, ouais, je vous connais tous les deux, quand vous vous lâchez, donc quand vous vous lâchez, hein, se lâcher, c'est l'idée de lâcher le contrôle, hein. On dit aussi se laisser aller, hein, perdre le contrôle, lâcher le contrôle. Hein, donc, se lâcher. On va l'utiliser pour des petites choses, par exemple, aujourd'hui, je me suis lâchée sur le chocolat. Ça veut dire j'ai mangé beaucoup de chocolat aujourd'hui. Mais on va l'utiliser pour des choses un peu plus importantes, par exemple, oulala, il a parlé avec son chef, il s'est lâché. Donc ça, ça veut dire, en fait, il lui a tout dit. Il a dit tout ce qu'il pensait sans se contrôler. D'accord ? Donc voilà, ce dialogue est terminé. J'espère que vous l'avez mieux compris avec ces quelques explications. Je suis allée aussi un petit peu vite parce que vous avez des niveaux différents les uns les autres. Mais n'hésitez pas à le réécouter, de faire des pauses à certains moments. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Hein, en fin d'article, les commentaires de YouTube, sans problème, je vous réponds toujours. D'accord ? Alors, ça vous dirait maintenant de tester votre bonne compréhension ? Et votre mémoire aussi de tout ce vocabulaire que vous venez de découvrir, je vous propose de faire un quiz rapide. En fait, je vous propose plutôt deux quiz pour le prix d'un. Cliquez sur le lien qui vient de s'afficher, qui est le lien en fait de l'article. Vous trouverez en fin d'article ces deux quiz. Le premier, vous devez associer les mots qui ont le même sens. Et dans le deuxième, vous devez retrouver les mots familiers manquants dans le dialogue et les écrire. Vous travaillez donc votre compréhension orale, votre mémoire et l'orthographe. Donc à vous de choisir le quiz qui vous correspond le mieux. Bon, et alors maintenant que c'est fait, est-ce que ça vous dirait d'utiliser tout ce vocabulaire dans la vie réelle? N'attendez plus, allez à la rencontre de francophones et osez parler. Utilisez ce vocabulaire le plus vite possible. Si cette série consacrée au français comme on le parle vraiment vous intéresse, si vous voulez apprendre plus de français familier, je vous encourage à visionner les autres vidéos et les articles correspondants. Vous allez apprendre beaucoup d'autres expressions, beaucoup d'autres mots familiers et vous trouverez aussi des liens utiles pour faire des exercices. Tous les liens s'affichent maintenant à la fin de cette vidéo et vous pouvez aussi les retrouver dans les descriptions de la vidéo tout en bas. De plus, si vous ne connaissez pas encore la page Facebook Nathalie Fleu, je vous encourage à l'aimer tout de suite. Comme ça, tous les jours, vous découvrirez de nouveaux contenus pour progresser. Je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Cela me permet de savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce que vous souhaitez comme autre vidéo. Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse beaucoup et j'en tiens toujours compte. À très bientôt. Au revoir.